Xbox frappe fort. Des prix et une première dans le jeu vidéo, je pense que ça en fera réfléchir plus d'un. Passionné de gaming et de football, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de gaming. A tout de suite. Alors avant toute chose, je vous vois venir, je sais très bien ce que vous allez dire. Mais attends Sace, mais pourtant t'es PlayStation. Oui, c'est vrai, je suis PlayStation. Mais je m'octroie le droit, en fait, de quand même, de se dire, attends, les prix de Xbox, on va en venir dans la vidéo, mais c'est un truc de dingue ce qu'ils proposent quand même. Faut pas non plus être arrêté comme ça et se dire, ouais, mais non, tu sais, moi, je suis que à fond PlayStation, etc. Après, rien ne m'interdit de prendre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait quand même réfléchir, c'est normal. Mais vu les prix qui sont annoncés et officiels et avec le packaging du All Access, c'est normal, je vous dis franchement, que je suis là à réfléchir. Et je pense que je fais cette vidéo pour peut-être aussi vous faire réfléchir, parce que certains n'ont peut-être pas les moyens de dépenser 500, 600 euros cash, ou même en 2-3 fois. Là, c'est un truc de dingue, on va en venir dans la vidéo, mais je vous assure, c'est un truc de ouf. Alors tout d'abord, on va revenir vite fait sur le prix. La Xbox Series S, la plus petite, la moins performante, est à 299$. La Xbox Series X, la plus performante, la monstrueuse next-gen, est à 599$. Ça, ce sont les prix qui vont être donnés avec la console, je vais pas dire nu, bon, bien évidemment avec une manette, et sûrement peut-être un jeu. Et encore, je ne suis même pas sûr de ça. Date de sortie de la Xbox, enfin non, pas de la Xbox, des deux Xbox, le 10 novembre. 10 novembre, attends, ça me dit quelque chose. Bah oui, c'est mon anniversaire, le 10 novembre, pile poil. Donc à un moment donné, c'est aussi normal que je réfléchis. Je me dis, attends, comme par hasard, la console sort le 10 novembre, les amis. Donc c'est normal que même en tant que fan de PlayStation, il y a un petit truc, tu vois, tu te dis, mais attends, ils font une offre chelou. Enfin, pas une offre chelou, une offre exceptionnelle pour ma part. Et en plus, le jour de mon anniversaire, tu vois ce que je veux dire? Alors on va en parler tout de suite, le sujet principal. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le All Access, les prix, etc. Alors je vais parler juste de la Xbox Series X, parce qu'avec ce prix-là, ça vaut vraiment pas le coup pour 10 euros de moins de prendre la série S. Et je vous le dis très clairement. Alors tenez-vous bien, prenez une chaise. Bon, ceux qui sont au courant, on va juste en parler entre nous. Ceux qui sont pas au courant, bah je vais vous mettre tout de suite au courant, au parfum. Alors pour 35 euros par mois, déjà d'une, vous avez la console. Non, parce que j'entends certains youtubeurs dire, ouais, ça me fait penser au leasing des voitures, etc. Pendant 2 ans, tu loues une voiture et puis après 2 ans plus tard, tu changes de voiture. Sauf que là, non, c'est pas du leasing vu que la console est à toi. Y a pas, tu changes de console, y a pas, c'est de la location. Non, c'est à toi. Donc dans ce prix-là, tu as la console déjà. Ensuite, dans les 35 euros compris, tu as le Xbox Game Pass Ultimate. Qu'est-ce que c'est que ce pass? C'est-à-dire que tu as le catalogue de Xbox Game Pass normal, tu as le catalogue du PC. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on n'a pas de PC, attendez, je vais y venir parce que c'est très très intéressant de ce que je vais dire par la suite dans la vidéo. Donc vous avez le catalogue de Xbox, vous avez le catalogue du PC et vous avez aussi offert le Xbox Live Gold. Xbox Live Gold, ceux qui sont sur PlayStation qui ne connaissent pas, c'est équivalent au PS Plus, c'est-à-dire qu'il te faut un abonnement mensuel pour pouvoir jouer en ligne sur console. Et en plus, tu auras des jeux offerts, etc., comme le PS Plus. Donc, pour l'instant, je répète, la console, le Xbox Game Pass, Ultimate, hein, bien évidemment, plus le Xbox Live Gold. On est d'accord pour le moment. Ensuite, il y a le EA Play. EA Play, c'est anciennement EA Access, etc., c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à des jeux EA en avance, 10 heures offertes, etc., pour jouer en avance, en avant-première et tout ça, avec aussi des réductions, plus le catalogue EA comme le Xbox Game Pass en mode Netflix, c'est-à-dire qu'il y a des anciens jeux EA qui vont être offerts dans les 35 euros, toujours pas de frais supplémentaires. Maintenant, je vais revenir à ceux qui me disent, ouais, mais j'ai pas de PC, à quoi ça me sert d'avoir un Game Pass Ultimate si je n'ai pas de PC? Eh ben, parce que dans les 35 euros par mois, il y a encore un autre service, le xCloud. xCloud, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu as tes jeux de catalogue, que ce soit sur console ou PC, que tu vas pouvoir jouer sur tous tes supports à partir du moment où tu as une connexion convenable, je dirais, sur n'importe quel appareil. Et quand je dis sur n'importe quel appareil, c'est que c'est sur ton PC, ton Mac, ton smartphone, ta tablette, que ton appareil soit ancien ou pas, ça revient au même. À partir du moment où il fait Internet, tu peux jouer à tous tes jeux Xbox, donc catalogue Xbox, mais bien évidemment catalogue PC. Et c'est là que je veux en venir que le pass Xbox
Game Pass Ultimate va valoir le coup parce que le catalogue Xbox et le catalogue PC sont un peu différents. Il y a des similitudes, mais il y a des jeux différents. Et vous allez pouvoir jouer sur les deux catalogues, sur le xCloud gratuitement, enfin pas gratuitement, sur les 35€ compris. Donc si les fans de PlayStation qui sont un peu anti-Xbox trouvent ça complètement stupide, les amis, vous pouvez kiffer PlayStation comme vous pouvez kiffer Xbox sans dénigrer l'autre. Pour moi, c'est une expérience utilisateur. Maintenant, les amis, quand vous faites le récapitulatif de tout ça, pour 35€ par mois, vous avez la console dernière génération d'Xbox chez vous. Vous avez le Xbox Game Pass Ultimate. Vous avez le Xbox Live Gold. Et vous avez le xCloud. Et vous avez le EA Play. Tout ça, le packaging, pour 35€ par mois pendant 2 ans. Maintenant, le seul bémol que je peux mettre à cette offre, c'est-à-dire que ça va être la Fnac qui va faire cette offre-là, et peut-être Micromania, parce qu'il me semble, alors que je vous parle, qu'ils sont en négociation pour pouvoir faire aussi la même chose que la Fnac. Mais le bémol n'est pas là. Le bémol est que ça va arriver fin d'année pour Noël. Qui veut dire que ceux qui veulent la console Day One ou qui veulent l'avoir dans la première semaine, etc., ne pourront pas bénéficier de cette offre, qui seront obligés à la rigueur de payer la console en 2 ou 3 fois, mais pas avec tous les services inclus. Mais si on fait, parce que bien évidemment, oui, je l'ai fait, si tu additionnes tous les chiffres, etc. sur 2 ans, je peux vous assurer que vous faites des économies entre 100 et 150€ sur 2 ans. Donc forcément, si tu as un petit budget, tu vas être forcé d'attendre. Mais c'est peut-être pas plus mal d'attendre un mois supplémentaire, voir comment aussi se comporte la PS5 derrière, et faire ton choix au dernier moment. Parce que PlayStation, comme il va avoir entre guillemets une pénurie de consoles, enfin tu vois ce que je veux dire, la douille, attends Noël pour décider si tu vas prendre la PS5 ou la Xbox avec ce service qui est pour moi, j'ai pas envie de dire incroyable, tu vois, mais ça titille l'esprit, parce que tu dis pour 35€ par mois, alors certains, 35€, attention, c'est une somme aussi par mois, hein. Mais avoir un catalogue de jeux, avoir, parce que j'ai oublié de mentionner que le Xbox Game Pass, toutes les exclus Xbox, parce que je vous rappelle que Xbox, enfin Microsoft, ont racheté des studios quand même, donc il va avoir beaucoup plus d'exclus qu'auparavant, parce qu'on va dire que l'ancienne génération, c'est quand même ça qui manquait, les exclus, mais que ça soit Forza, que ça soit Halo, et que ce soit les autres exclus, ça sera Day One, dans le catalogue, compris dans le Game Pass, donc pas de frais supplémentaires. Ça, je trouve ça quand même magnifique pour ceux qui aiment le jeu vidéo, voilà. Conclusion les amis, est-ce que moi je vais réfléchir à m'acheter la Xbox Series X? Bien évidemment que je vais réfléchir, vu le prix, etc. Rien ne m'empêche de m'acheter la PS5 derrière, mais il est vrai que ça va me faire réfléchir. Moi, je suis pas arrêté à me dire, ouais, moi, tu sais, je suis pas une groupie de PlayStation ou Apple ou Samsung, tout ce que tu veux. Moi, je prendrai le meilleur qui me convient au bon moment et à un prix qui défiera toute concurrence. C'est tout. Il n'y a pas, je jure, fidélité à des gens que, de toute façon, ils n'hésitent pas à te la mettre en créant des abonnements, je sais pas quoi. Les éditeurs, je suis désolé, de jeux vidéo qui créent des microtransactions pour te la mettre bien profond. Donc, à un moment donné, arrêtez de faire les groupies de chaque constructeur, etc. et pensez un peu à votre gueule, vous voyez ce que je veux dire? Pensez à votre propre utilisation. Maintenant que vous soyez PlayStation ou pas, très sincèrement, je pense que c'est à réfléchir. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez vraiment de cette offre. Mais moi, je la trouve encore une fois incroyable. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, lâchez le petit like qui fait plaisir, ça aide au référencement. Et si t'es pas abonné, que le cœur t'en dit, clique ici. Et je te dis à très très vite. Ciao!